Voici mon histoire. Je étais jeune guerrier, vaillant et fort. Mais moi, pas aimé tuer gens. C'est complètement con. Quelle définition guerrier être? Gens qui fait la guerre. Et dans guerre, tuer gens. Et moi, pas tuer gens. Mais moi, quand même être appelé guerrier parce que j'ai avoir hache et une armure. Une petite armure en cuir, mais une armure quand même. Et ça fait de moi un guerrier. Et moi, pas tuer gens. Moi, tuer crabe. Moi, aller de crotte littorale à d'autres pour tuer crabe. Un jour, je trouvais dans grotte un tuant crabe. Hache magique. Hache magique dire, prends-moi, toi, devenir fort et tuer beaucoup de gens. Je permettrai toi, prendrai-moi si toi tuer des gens. Alors, moi, prendre hache. Tuer des brigands, ça faisait des gens, au pluriel, puis retourner tuer crabe. Un jour, alors que j'ai tué crabe, j'ai trouvé villageois qui remercie moi. Eux avoir faim, parce que eux voulaient chasser crabe mais peur de crabe. Alors moi tué crabe, et eux manger crabe et remercie moi. Mais est-ce pas satisfaite pour t'avoir tué seulement deux gens? Elle dire, toi tué villageois. Dire non, moi pas aimé tuer villageois. Et dire toi tu es villageois et plus avoir tu es crabe. Et moi pas aimé tuer gens, mais aimé tu es crabe. Elle dire toi ferme ta gueule, toi faire, alors moi faire et tu es villageois. Tu es homme, tu es femme, tu es enfant, tu es poisson rouge de enfant et tu es chaton. Je tuais beaucoup chaton et Dieu les chats, pas content. Lui venir voir moi lui dire tu as pas tué chaton. Moi te punir. Et il punissait moi. Sa malédiction était toutes les nuits, au lieu que ce soit un esprit qui vive dans mon corps, et l'esprit de la hache qui vivait dans la hache. C'est moi vivre dans hache, et hache vivre dans moi. Et chaque nuit, Ash faire gros massacre. Chaque nuit, Ash avoir contrôle de mon corps et tuer village. Tuer beaucoup village, tuer beaucoup gens. Et de jour, gens vers moi faire massacre et dire, pourquoi toi pas faire guerre? Moi dire non. Moi, je voulais pas laisser Ash faire chose ignoble. Alors, moi, essayer d'abandonner H quelque part, mais toutes les nuits, moi, avec esprit de H, revenir chercher H et continuer massacre. Alors, je tentais de me suicider, mais moi, lâche, pas oser me suicider, peur de mourir. Alors, moi, défier guerrier dans combat à mort pour être tué au combat, mais je avoir H magique et pas perdre le combat. Je défiais plus grand guerrier, encore plus grand guerrier, puis le plus grand guerrier qui soit dans le monde, mais moi vaincre tous et devenir le plus grand guerrier. Mais moi pas satisfait. Alors je attendre. Et un jour, H, pas satisfait de tuer ce mangeant, elle vouloir tuer plus. Alors elle tuait poisson rouge. Puis un jour, elle tuait chaton. Du coup, Dieu des chats, encore pas content, venir vers moi nuit et dire toi pas tuer chaton, moi punir toi. Et lui, annuler malédiction. Et dire à moi toi, remettre H à sa place. Alors, moi, je dis d'accord. Et je retournais dans grotte au crabe. Pour remettre H. Puis, le dieu des chats est revenu, m'a dit, c'est bien. Mais, toi avoir tué chaton quand même, toi devoir te faire pardonner. Et en ouvrant, orphelinat pour chaton. Alors, moi, ouvrir orphelinat pour chaton. Mais, guerrier pas comprendre. Eux dire, toi plus grand guerrier qui soit, et toi? Abandonner H et ouvrir orphelinat pour chaton?
Pas comprendre, grosse colère. Brûler, orphelin à chaton, et brûlez-moi avec. Moi croire que j'allais enfin mourir, mais non. J'avais utilisé trop longtemps la hache, et mon esprit se retrouvait dans H, avec esprit de H, esprit d'autres guerriers qui avaient fini comme moi. Tuer crabe, trouver H, tuer chaton, maudit, retuer chaton et tomber maudit, redevenir pas maudit, remettre H, ouvrir orphelinat chaton, puis mourir brûlé dans orphelinat chaton. Eux tous finir pareil. Alors, moi, très colère, dis-je, complètement con. Moi maudire hache, moi maudire chaton, moi maudire guerrier, maudire dieu des chatons. Puis un jour, guerrier des ténèbres, entendre mes malédictions, entendre ma haine, lui venir trouver hache, fouiller hache mortellement, trouver mon esprit et le prendre, et lui me donner corps en disant, tiens, voici un corps, tu auras beaucoup de puissance avec ce corps. Et toi, pouvoir assouvir vengeance sur poisson rouge, chaton, guerrier et dieu. Maudire tes corps. Lui dire en échange, toi obéir moi. Rends-moi obéir lui. Et tout en obéissant lui, moi me venger, tuer guerrier. Détruire hache. Et tuer chaton. Beaucoup chaton. Mais dieu jamais venir. Moi, pas savoir pourquoi. Dieu pas venir. Alors, comment tuer chaton? Alors, moi, un jour, m'énerver et me rebeller contre le maître. Maître dit, toi, dissident, moi, pas aimé, moi, tuer toi. Et tue-moi, mais moi, pas pour revenir dans H, puisque moi, elle voudrait que c'est H magique. Et moi, du coup, me dire, moi, je vais pouvoir avoir le repos éternel. Moi, pas pouvoir que moi avoir été méchant. Moi, avoir tué Poisson Rouge. Alors, Dieu des Poissons Rouges dit, tu allais en enfer. Alors, je allais en enfer. Et depuis, je reste torturé à jamais par les Poissons Rouges. Qui viennent me caresser de partout. Ça chatouille horriblement. Moi, bien puni pour mes actes stupides. Voici. Quelle était mon histoire? Adieu. Non, ça chatouille! Chatouille!